Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter une dicotylédone. On entend le mot « deux » et « cotylédone ». Donc, ce sont des plantes qui font des graines avec deux cotylédones. Alors, ici, nous avons du framboisier. Il n'est pas en fleur, puisque ce n'est plus la saison. On voit bien ici la racine, racine principale. On voit bien la différence de couleur entre la racine et la tige, c'est le collet. La tige, elle est plutôt verte. Il y a des espèces de poils piquants. Nous voyons des bourgeons, déjà ici pour l'année prochaine. Les bourgeons sont alternes, donc les feuilles vont être alternes. On a ici une plante qui vit plusieurs années, et donc qui chaque année fait des feuilles. Les feuilles, si on les observe, ce sont des feuilles composées. Comment je sais ça? Il y a ici un bourgeon axillaire qui prouve que c'est une feuille composée. Les différentes lames vertes, ça s'appelle des folioles. Ici, le foliole est tenu par un pétiolule. Toute la feuille s'insère sur la tige avec le pétiole. Nous avons ici tout au-dessus le bourgeon qui va permettre à la plante de grandir, c'est le bourgeon terminal. Si on observe la feuille, on voit qu'il y a des grandes dents et des petites, donc on dit qu'elles sont doublement dentées. Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles ont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois parce qu'on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier. Merci. Bon, là, c'était beaucoup mieux.